Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je vous fais une petite vidéo en ce dimanche soir. C'était pas prévu, mais quand j'ai lu le poste de Nanou, de Tarot Politique Nanou, eh bien j'avoue que j'ai eu envie de faire un petit tirage, puisque elle a demandé si une voyante pouvait de regarder un petit peu comment allait son petit chien Poutine, qui est parti du côté de l'arc-en-ciel, hein, comme on dit. Et étant donné que j'adore les animaux et que je la comprends extrêmement bien, ayant moi-même perdu mon chat Ryu en juillet 2022, sauf que moi, mon chat, il s'est réincarné puisque je l'avais demandé qu'il est revenu parce qu'ils ont la même date de naissance. Enfin bref, je vous avais raconté l'histoire. Hein. C'est assez spécial ce qui s'est passé. Donc bref, je pense que peut-être que voilà, peut-être que ça devrait sortir avec moi, je sais pas. Alors, je me concentre sur le petit Poutine. Alors, j'avais regardé sa photo avant, hein. Donc je l'ai en tête. Hein. Voilà. Alors, est-ce que Poutine veut bien donner un message pour sa petite maman Nanou qui souffre de son absence? Alors là, il y a un couple et un message. Alors, attendez. Alors moi, cette photo-là, évidemment, c'est un couple, donc c'est une relation hein, à deux. J'aurai pas forcément de carte de chien dans le Dixit parce que j'en ai pas tellement, hein. Il me semble que j'en ai pas beaucoup. Donc là, message, message d'amour, quoi. Hein, puisque là, on est un couple. D'ailleurs, vous remarquez que les deux personnes, on voit que les vêtements. Donc, message qui vient de l'invisible, pourquoi pas. Par rapport à une relation entre deux personnes, dont une. Ben, en fait, deux personnes qui ne sont plus vraiment en relation l'une avec l'autre. Hein. J'allais dire deux personnes invisibles. Bon. Alors, Nanou voudrait savoir si tout va bien. Petit Poutine. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors là, il y a ben, le tambour. Donc là, il y a la nouvelle. D'accord. La nouvelle. Bon, là, il nous dit en fait simplement qu'il a été vaincu par quelque chose de plus fort que lui. Bon, alors, ok, je vais interpréter quand même les cartes. Hein. Donc, il était malade. Hein. Le petit chien était malade. Et là, de toute façon, il pouvait rien faire. Hein. Bon. Donc, Nanou, si tu regardes cette vidéo, eh bien, sache que tu n'aurais malheureusement pas pu le sauver. Puisque là, on dit que le combat était perdu d'avance par rapport à ce qu'il apparemment ce qu'il avait comme maladie. Ce que je ne sais pas d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait te dire. Apparemment, c'est important. Donc, ne te culpabilise pas, surtout. Ici, alors ça, c'est des fleurs. Pour moi, c'est les fleurs que l'on met, justement, quand il y a un deuil. Enfin, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Vous savez, souvent, au bord de la route, quand il y a eu des accidents, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de voir qu'il y avait des arbres et qu'on avait posé des fleurs pour rappeler justement que quelqu'un ben voilà avait perdu la vie. Donc là, on est bien dans les questions effectivement de deuil, mais aussi de souvenirs. Alors là. Bon, là, il y a des histoires d'avoir changé de planète, d'accord. C'est curieux parce que ça me rappelle le Covid, ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il est, il a pas eu quelque chose au poumon, quelque chose comme ça? Je sais pas ce que ça vient faire là. Alors, c'est pas vraiment ce qui est demandé, je sais. Mais ça me rappelle l'histoire de Corona, quoi. Et ouais, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc dans les poumons. Enfin, j'en sais rien. Bon, alors, je me reconcentre, hein, parce que c'est pas, je veux pas savoir de quoi il est décédé. C'est pas ça que Nanou veut savoir. Moi, je veux savoir s'il va bien. En fait, c'est elle qui veut savoir s'il va bien. Alors. Là, il y a quelqu'un qui a peur. Alors, il y a bien les questions de paradis. C'est curieux. Hein, il y a les questions de paradis avec les questions de petits diablotins. Allez savoir. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire là. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, il y a quelqu'un qui a de la nostalgie. Bon, moi, j'y vois Nanou encore une fois. Là, par contre, je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Attendez, je vais essayer d'approfondir. Il y a quelque chose là. Quelque chose par rapport à la maison. Quelque chose par rapport à la maison. Je pense que c'est pour Nanou, ça. Ok. Il y a un message. Et il y a un papillon. D'accord. Bon, ça, c'est effectivement le fait... Vous savez, on dit que les âmes des défunts, c'est souvent des papillons, ok. Mais là, il y a quelqu'un d'autre, là. Alors, je pense, en fait, que c'est toi qui n'avais pas du tout envie de le faire endormir.
hein, puisqu'on voit quelqu'un qui a peur de donner. Alors pour moi, les fourchettes, c'est souvent l'injection, hein, donc quelqu'un qui ne voulait pas donner l'injection. Et moi, je vois que le petit Poutine, bah, il aimerait bien rentrer à la maison, quoi. Puisqu'on voit qu'elle est... Bon, d'accord, il y a le petit ange sur son nuage, donc oui, il est au paradis, mais il se sent pas à son aise, hein. Et la maison, ben voilà, c'est son foyer, donc il aimerait rentrer chez lui. Enfin bon, moi je l'interprète comme ça. Mais donc du coup, ça l'embête, quoi. Hein, parce qu'on voit qu'il est embêté là. Donc ça l'embête. Ça l'embête que toi, ben, tu souffres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, petit Poutine? Ouais, ben alors ça, c'est vraiment bizarre. Hein. Alors là, vraiment, c'est bizarre. Mais vraiment, 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 vraiment. Parce que j'ai parlé de réincarnation, moi, tout à l'heure. J'ai dit que mon chat était revenu. Hein. Et bien là, en fait, on me dit qu'il pourrait revenir, si tu veux. Je suis désolée, je contrôle pas mes cartes. Et puis, j'ai pris les Dixit complètement au pif, comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment ça. Alors, il y a quand même quelque chose, ça fait penser à ce qui est arrivé à Flash Manu, que vous connaissez peut-être, hein, moi, que je suis depuis déjà des années, qui a aussi perdu son chat. Alors, je crois qu'on a perdu notre chat, en fait, à quelques mois d'intervalle. Donc ça devait être aussi en 2022. Et il y a un chat en fait qui s'est invité dans le jardin de Manu. Donc c'est en fait sa chaîne, c'est Flash Manu Actu, me semble, ouais, Flash Manu Voyance. Et donc ce chat s'est invité dans le jardin de Manu. Un chat qui était négligé par ses voisins. Et donc bah, en fait Manu l'a recueilli. Et donc le chat maintenant, bah, c'est devenu son chat, quoi. Donc moi je pense que son petit chat Gribouille, donc qui est parti de l'autre côté, vous savez, en fait, sur le pot arc-en-ciel, eh bien a vu que son papa était triste. Et je pense que c'est pour ça qu'il lui a envoyé un autre petit compagnon. Donc ça veut dire aussi que nos animaux de l'autre côté savent exactement qu'on va mal. Je vous dis, moi j'ai récupéré Toffee, hein, alors, même date de naissance, j'ai fait la demande, j'ai dit exactement quelle race je voulais, quelle couleur. Je vous assure, c'est absolument incroyable, quoi. C'est au-delà de toute compréhension si on ne croit pas au spirituel. Et j'ai effectivement eu Toffee qui est né, alors pas la même année, hein. Je voulais pas que ce soit la même année, mais le même jour. Le même jour. Et qui a eu la couleur et la race et qui m'attendait depuis un mois. Chez une éleveuse. Donc, mais le truc incroyable, quoi. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de moi, mais je veux dire que les animaux savent. Donc Nanou, si tu veux vraiment que ton petit Poutine te revienne, c'est ça en fait le message. C'est si tu veux, tu vois, ça c'est la réanimation, si tu veux la réincarnation, pourquoi pas, hein. C'est toi, à toi de décider, parce que là, tu vois, il voit très bien, on voit très bien qu'il est pas trop heureux, pardon. Là, c'est le petit ange, mais on sent qu'il est embêté. Alors, les petits diablotins, c'est la métaphore, hein. C'est pas qu'il est embêté là-bas, c'est qu'il se sent pas à l'aise, quoi. Et il voit très bien ici. En plus, elle te ressemble un petit peu avec la coiffure. Il voit très bien ici que tu penses à lui. Voilà. Tu penses à lui, là et là, le souvenir. Bon. Donc, si tu veux qu'il revienne, il reviendra. C'est vraiment toi qu'il décide, quoi. Alors, revenir comment? Bah, toi, tu demandes exactement quel autre chien ou quelle race de chien tu veux. Moi, j'ai pris la même race, par exemple. Et puis, Flash Manu, ben, elle a rien demandé du tout, mais il a eu quand même un chat qui est venu comme ça, quoi. Tu vois, c'est à toi de voir, là, si tu veux qu'il revienne ou pas, en fait. T'as le libre arbitre, hein. Voilà. Tu vois, quand je te dis que t'as le libre arbitre, voilà, c'est une décision, ça. Une femme qui choisit soit la lune, soit le soleil. En gros, pour moi, ça, c'est le. Avec une poudre d'espèce d'étoile, là, tu vois. C'est à toi de choisir. La décision t'appartient, quoi. Bon, alors après, on est parti sur autre chose. Là, on est parti sur. Là, on est parti effectivement sur les trucs dans l'espace. Bon. Donc après, peut-être que le message est fini. Donc, en fait, ben, c'est à toi de voir. Mais alors, petit Poutine, est-ce qu'on peut savoir un petit peu par rapport à Nanou, ce que tu veux lui dire d'autre? Alors, ça, c'est un chat. Ouais. Alors, ça, c'est encore un chat. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? La maltraitance des animaux, ça. Ah, c'est, il nous dit autre chose là. Encore, c'est bizarre parce que ça c'est un chat et ça ce sont des animaux, des petits animaux.
Il nous parle de la maltraitance des animaux, là. Ouais. Et là, c'est encore Nanou, hein. Là aussi. Bon, ça, je crois qu'il est en train de parler de ce qui se passe sur Terre, hein. Ouais. Bon, on va revenir sur Nanou. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non. Le désordre. Bon, il voit que Nanou, elle sent dessus-dessous aussi. Et puis là, bah, c'est autre chose. Là, je suis partie sur autre chose. Ah, c'est encore lui, ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un autre message qui est superposé, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Là, il y a autre chose. Nanou, excuse-moi, hein, c'est peut-être pas de Poutine, hein, mais c'est autre chose qui arrive, là. Il y a autre chose qui arrive et dont on nous prévient. Des questions de pénurie et des questions de lutte pour la Terre, mais avec des entités maléfiques. Excuse-moi, ça vient comment dire, se tamponner avec ce que je demande pour Poutine, hein, qui est encore là, hein. Bon, qui est ressorti. Donc, bah, que te dire d'autre? Bon, j'ai pas d'autres messages, quoi. La chose la plus importante, c'est vraiment celle-là, quoi. C'est à toi de voir si tu veux qu'il revienne ou pas. Alors ça, c'est le... Je pense qu'il a été endormi, hein. Enfin bon, je suppose, hein, parce que je sais pas. Mais il y a des questions de potions. Il y a des questions de potions. Donc je suppose qu'il a été endormi, le petit chien. Est-ce que ta maman te manque, Poutine? Là, il y a des questions de se retrouver. Y a encore un problème d'eau sur cette planète. Ouais. Bon, bah sinon, il est bien parti de l'autre côté, hein. Il est parti dans un monde meilleur, ça c'est évident, Nanou. Excuse-moi, j'ai d'autres messages entre-temps. J'ai d'autres choses entre-temps. Mais c'est compliqué aussi d'avoir un contact avec un animal. J'ai un peu du mal à saisir l'esprit. Mais il est bien parti de l'autre côté. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Mais il nous avertit toujours qu'il y a des choses compliquées qui arrivent, quoi. Hein. Ouais. Bon. Alors, c'est un singe dans l'espace. Donc, je te dis, il est un peu. Alors, il est dans un endroit. Par contre, je ne sais pas s'il a quelqu'un, quoi. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui est perdu dans l'espace, quoi. Donc, si ça se trouve, il est aussi un peu perdu. Je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, moi, les animaux. Je crois qu'il est tout seul là-bas. C'est curieux. J'ai l'impression qu'il est tout seul, mais il n'est pas malheureux, quoi. Ah, il y a quelqu'un. Alors, mais c'est toujours Nanou, ça. Non, mais c'est toujours toi, Nanou. Hein. Tu sors là. Tu sors dans mes cartes. Hein. Enfin, moi, je veux long à chaque fois. J'en ai pas non plus 10 000 dans mes cartes. Mais là, il y a. C'est comme si tu allais retrouver. Voilà. Il y a une surprise là qui t'attend. Il y a quelque chose là. Et je pense que ça viendra de Poutine. Ouais, alors des choses cachées. Qu'est-ce que ça peut être? Une bonne surprise. Ça fait penser à Poutine, ça, justement. Un petit bonhomme qui est en marche. D'ailleurs, en parlant de petit bonhomme, j'aime bien. J'ai mon chat là qui vient de me rejoindre. Un petit bonhomme qui. Voilà. Il y a les deux là. Alors, je vous dis, j'ai pas forcément de carte de chien dans le jeu. Mais là, on peut y voir un petit bonhomme, donc le petit Poutine, pourquoi pas, qui est en marche là, qui envoie également quelque chose vers le ciel. Il y a une rencontre qui va se faire là. Alors, je ne sais pas comment. Il y a des choses qui vont être quelque part. Alors, là aussi, c'est une rencontre un peu amoureuse, mais il y a une espèce de quelque chose qui va être mis en plan ou en place. Enfin, il y a un plan là. Il y a une espèce de chose qui va être décidée là-haut. Bon. Enfin bon. Mais encore une fois, Nanou, c'est toi qui décides, quoi. Donc c'est à toi de voir. En tout cas, le Poutine, voilà. Ça va, quoi. La grâce. Mais moi, je le sens un peu seul quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il aimerait revenir. Hein.
Il est dans la grâce, il est dans la lumière. Hein. Ça, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu la grâce divine, ça. Mais il est dans la lumière, mais en même temps, et je crois que tu lui manques, quoi. Voilà. Parce que là, on voit quelqu'un qui vient vers toi, il y a une petite. Donc, tu pourrais avoir de nouveau un animal sur ton chemin, d'une façon ou d'une autre. Hein. Regarde de nouveau, hein. Il va se réincarner, le petit. Moi, je pense. Hein. En tout cas, cette carte-là, c'est à ça que ça fait penser. Voilà. Donc, on va finir là-dessus, parce que comme je suis une grande bavarde, sinon, je vais encore trouver des trucs pas possibles. Et j'ai des messages qui s'intercalent entre, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Mais vous avez vu quand même, hein. Moi, je pense que j'ai un message là de l'au-delà qui vient s'intercaler, parce que j'ai pas fait de voyance depuis 2 jours. Donc, dans ces cas-là, c'est plus facile. Je vous dis, on va avoir un problème de nourriture, un problème d'eau. C'est évident. Hein. Et là, on a des entités qui se bagarrent pour notre planète. Excusez-moi. Hein. Excuse-moi, Nanou. Hein. C'est autre chose. Mais en tout cas, pour toi, moi, je pense que Poutine va bien, mais qu'il se sent quand même un peu seul. Et que, bon, il y a des bonnes cartes, il y a des cartes un peu mitigées, on va dire. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Parce que là, j'ai quand même les histoires de réincarnation, quoi. Et là, on a bien la rose. Hein. Tu vas vers une rose. Bon, pour l'instant, voilà. Tu es un petit peu observé. Donc, c'est à toi de voir. Hein. Tu as le libre arbitre. Moi, je sais, mon chat, il est revenu. Parce que, voilà, il est parti. Il n'avait même pas 2 ans, quoi. Mais bon, c'est spécial ce qui s'est passé. C'était dans ma vidéo retour de vacances. Enfin, voilà. Bon, voilà, Nanou, je te fais une grosse bise. Sache que de toute façon, enfin, tu le sais très bien, hein, les animaux, le lien ne se défait jamais, hein, jamais, jamais. Ils savent que qu'on pense à eux, ils savent qu'on les aime. Et ils savent aussi qu'ils nous aident pour cette vie-là. Voilà, je te fais une grosse bise et puis bah, je te dis à bientôt. Au revoir.